Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et Lanceau-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. La ministre du Revenu national annonce une nouvelle aide fiscale pour les travailleurs à faible revenu. Jean-Denis Laperrière a assisté à l'annonce. C'est dans les locaux des ateliers Actibec 2000 que l'honorable Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, a annoncé le 27 octobre dernier que le gouvernement fédéral a alloué un montant supplémentaire de 500 millions de dollars dans le programme de prestations fiscales pour le revenu de travail, qui s'adresse aux travailleurs à faible revenu. On sait qu'actuellement, la situation économique du Canada est exceptionnelle. On est le pays au niveau du G7 qui se classe premier pour au niveau du développement économique. Puis cette croissance économique-là doit être partagée avec l'ensemble des citoyens. Donc, de pouvoir partager puis d'offrir un crédit d'impôt aux gens qui sont à plus faible revenu, puis encourager les gens à continuer puis à retourner au travail, c'est ce qu'on est venu annoncer. Donc, le 500 millions, ce que ça va permettre, on regarde au niveau, si on parle au niveau d'une famille, c'est on parle de plus de 2000 $ en crédit d'impôt. Pour les personnes seules, on parle de plus de 1100 $ en crédit d'impôt. Fait que c'est vraiment, c'est des argents que les gens vont avoir de plus, que ce soit pour faire leur épicerie, pour payer leur logement. Fait que c'est vraiment de partager la richesse. Avec ce montant supplémentaire, plus de travailleurs auront droit à cette prestation. Actuellement, pour le crédit d'impôt, on parle des gens qui vont gagner 22 000 $ et moins par année. Mais le fait d'avoir investi des argents supplémentaires va faire en sorte qu'actuellement, au niveau du... On se penche sur la braquette de revenus qui pourrait augmenter de plus de 22 000 $ Fait que je vous dirais, je peux pas vous donner le chiffre exact, mais les gens qui gagneraient plus de 22 000 $ auraient accès à ce crédit d'impôt-là. C'était Jean-Denis Laperrière pour TVCGR à Grande-Rivière.